Salut les yogis, c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose une séance de vinyasa yoga très tonique pour pratiquer la posture d'Ashtavakrasana. N'oubliez pas, si vous aimez pratiquer le yoga avec moi sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche à côté de abonner pour être tenu au courant de toutes mes vidéos. Ce que je vous propose, c'est d'aborder la posture du 8. Il n'y a pas vraiment de traduction en fait, parce que Ashtavakra, c'était un sage. Je vous en parlerai un peu plus pendant la relaxation de cette séance. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander à travailler cette posture. C'est une posture que, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas pratiquée depuis très longtemps. Donc je pense qu'on va bien rigoler ensemble. On va travailler aujourd'hui la souplesse des poignets, la force dans les bras et dans les épaules, et on va travailler aussi les torsions, parce que évidemment Ashtavakrasana, c'est une posture où il y a une torsion qui est très intense, et on travaillera aussi la force dans le ventre. J'ai une élève qui m'a posté en commentaire qui comprenait pas pourquoi est-ce qu'on travaillait la force du ventre pour la posture du corbeau, et j'en profite du coup pour vous dire que la force du ventre, elle est primordiale dans n'importe quelle posture où on lève les jambes. Que ce soit la chandelle, le corbeau, Ashtavakrasana, Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Si vous avez de la force dans le ventre, vous aurez beaucoup plus de facilité pour lever vos jambes et pour contrôler la posture. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques. Concernant le contenu de cette séance de yoga, on commencera par des postures au sol pour commencer à préparer le corps. On enchaînera avec un vinyasa, vous verrez, c'est assez tonique, c'est assez intense, et bien on terminera par la posture d'Ashtavakrasana, et on terminera avec une relaxation. Donc je vous parlerai un petit peu plus d'Ashtavakra, et je vous lirai un texte qui aura été écrit, ou en tout cas qui aura été prononcé par ce sage. Donc si vous êtes prêts, prêtes, je vais vous inviter à venir vous allonger sur votre tapis. On va commencer par ramener les cuisses sur le ventre. On va commencer par un exercice qui s'appelle Apanasana, qui va nous permettre de rentrer dans la respiration Ujjayi. Donc on vient placer les mains sur les genoux. À l'inspiration, on tend les bras, on éloigne les genoux du ventre. Et à l'expiration, on ramène les cuisses vers ou sur le ventre. Donc inspire, on tend les bras, on éloigne les genoux de soi. Et expire, on ramène les cuisses sur le ventre. Donc les jambes sont complètement relâchées, hein, ce n'est pas encore un travail abdominal, mais c'est plus pour rentrer dans la respiration, pour commencer aussi à créer de la tension au niveau du dos, du bassin. Encore inspire, expire, une dernière fois inspire, expire, inspire. On revient jambes neutres, on va venir placer les bras au sol, paume de main tournée vers le sol. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on va relâcher les deux jambes fléchies sur la droite. Vous pouvez légèrement déplacer vos hanches vers la gauche. Donc on vient en torsion. On prend une inspiration ici. Une expiration. Et à l'inspiration, on va allonger les jambes sur le côté, donc à partir de là où elles sont. Et vous pouvez fléchir les chevilles pour intensifier l'étirement des jambes. Essayez de bien garder votre épaule gauche au sol. Donc n'hésitez pas à ancrer les paumes de main dans le sol pour vous aider. Si les jambes ne se tendent pas complètement, ce n'est pas grave. Mais essayez ici de bien sentir la torsion. Vous devriez, c'est assez intense. Donc vous voyez, ici c'est vraiment déjà une première préparation à Ashtavakrasana. On est au sol, mais on travaille la torsion assez profonde. Et on va ancrer profondément les paumes de main dans le sol, ancrer les bras dans le sol, et à l'inspiration, on va essayer d'utiliser la force des bras et du ventre pour ramener les jambes
vers le ciel, les jambes tendues vers le ciel. On replace les hanches. Vous pouvez déplacer un petit peu vos hanches vers la droite, fléchir les genoux et relâcher les deux genoux fléchis vers la gauche. Regardez vers la droite. Yes, et à l'inspiration, vous pouvez tendre les jambes ou essayer de tendre. Alors moi, j'ai carrément pas de place chez moi. Donc, je vais essayer de coincer mes jambes quelque part. Donc, une fois de plus, c'est pas grave si vos jambes ne se tendent pas. L'idée, c'est de rentrer dans une torsion un peu plus profonde ici. Fléchissez les chevilles pour intensifier l'étirement des jambes et ramenez bien votre épaule droite vers le sol. Et ancrez bien les bras dans le sol, ancrez les paumes de main. On utilise la force des bras et du ventre pour amener les jambes tendues vers le ciel. Magnifique. Et doucement, à l'expiration, vous pourrez relâcher. On va prendre une brique. On va allonger la jambe gauche à quelques centimètres du sol, cheville fléchie. Et on va venir placer la brique sur la cuisse gauche. On va placer le coude gauche sur la brique, on va crocheter les doigts à l'arrière de la tête et on va relever la tête et les épaules et on va rester ici 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous refais la blague, 1, 1, non, et 0, relâche. Pour celles et ceux qui avaient vu ma dernière vidéo, j'avais fait une petite blague là-dessus. On fait de l'autre côté, donc on place la brique sur la cuisse gauche, on place le coude droit sur la brique, donc on va pousser la cuisse vers le coude, on crochette les doigts à l'arrière du dos, on fléchit la cheville droite, on lève la cheville droite du sol et on lève la tête, on lève les épaules pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Yes, magnifique. Et vous pourrez vous retourner, venir à quatre pattes. On va tourner les doigts vers l'extérieur, donc les pouces vers les bords extérieurs du tapis, les doigts tournés vers vos genoux. On va ramener le genou gauche vers l'avant, ou le genou droit, c'est complètement égal, vers l'avant. Donc ce n'est pas un pigeon ici, c'est juste pour se donner un peu de stabilité. Vous pouvez un petit peu reculer le genou arrière vers l'arrière. Et on envoie les épaules vers l'avant. Et on va essayer de soulever les doigts ici. Pour 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magnifique. On ramène le genou droit vers l'avant, on recule le genou gauche. Donc en fait, on ne vient pas complètement à quatre pattes. On ramène légèrement les fessiers vers l'arrière. Donc il y a à peu près, vous n'avez pas tout le poids du corps sur les mains. Donc, évidemment, on ramène les doigts vers l'intérieur, dos des mains au sol, donc comme ceci. Et du coup, vous avez à peu près 30% du poids du corps qui est sur vos mains. Et on va fermer les poings à l'inspiration. Et à l'expiration, on relâche les doigts au sol. Donc, inspire, on ferme les poings. Et expire, on relâche. Inspire. Expire, inspire, expire, c'est intense hein, pour les avant-bras, inspire, expire, c'est d'excellents exercices si vous avez des poignets fragiles, une dernière fois inspire, une dernière fois expire, ça permet vraiment de renforcer les muscles des bras. Et vous pourrez venir vous asseoir sur vos talons, à nouveau fermer les poings et venir faire des cercles avec les poings. Donc tendre les bras parallèles au sol et faire des cercles en insistant vraiment vers le bas.
On change le sens du cercle. Et on termine en secouant les mains. On revient sur les poings. On revient à quatre pattes, mais cette fois-ci quatre pattes normales. Et en fait, on va faire un petit mouvement de balancier du poids du corps pour venir travailler de manière latérale les poignets. Donc, un coup en avant, un coup en arrière. Continuez de bien respirer. Yes. Dernier cycle. Yes, et on pourra à nouveau secouer les mains. C'est intense, hein, les petits exercices. On vient en chien tête en bas. Donc, prenez le temps de rentrer dans la posture, de vous installer ici. Si vous avez besoin de pédaler un petit peu, de fléchir alternativement les genoux, n'hésitez pas. Relâchez bien la tête, ouvrez les épaules vers l'extérieur, ancrez profondément le pouce et l'index dans le sol. Donc ça aussi c'est important quand on fait des postures d'équilibre sur les mains, c'est que nos mains deviennent nos pieds et donc il faut vraiment avoir un super bon ancrage dans les mains. Et plus vous allez activer les muscles de vos mains, plus vous allez protéger l'articulation des poignets. C'est pareil avec les muscles des avant-bras. Donc voilà, ces petits conseils qui est assez important dans ce type de posture. Donc ça c'est un principe aussi, hein. Plus on active les muscles et plus on protège les articulations. Prends une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire. Et tranquillement à l'expiration, on va venir marcher à l'avant du tapis. On vient placer les pieds à la largeur des hanches. Et on va venir placer le dos des mains au sol, paume des mains tournée vers les plantes de pied. Donc l'idée, c'est d'avoir les orteils qui touchent les poignets. C'est pas grave si vos jambes ne se tendent pas complètement. Ici, ça viendra. Mais l'idée, c'est d'avoir du poids du corps sur les mains pour soulager les poignets. À l'inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va ramener activement le ventre vers les cuisses. Activez, ramenez vos os des fessiers vers le ciel. Fléchissez les coudes et relâchez complètement la tête. Respirez, respiration Ujjayi, profondes inspirations, profondes expirations. Et à l'inspiration, vous pourrez allonger la colonne, venir placer vos mains sur vos hanches, fléchir légèrement les genoux, ancrer les pieds dans le sol et à l'inspiration, vous redressez. On va prendre notre brique qu'on va venir placer entre les cuisses. Donc, vous pouvez placer le long côté entre les cuisses, de manière à avoir à peu près les pieds à la largeur des hanches. Vous pouvez le faire avec les petits côtés, mais c'est un peu moins confortable. Hein. On a l'air un peu plus... déjà qu'on n'a pas l'air fin comme ça. On va venir à l'avant du tapis. Donc, l'idée ici, c'est de sentir que vous activez l'intérieur de vos cuisses. On a vraiment besoin de cette force-là pour Ashtavakrasana. On va essayer de le sentir et d'activer les muscles à l'intérieur des cuisses. Les pieds, donc, à la largeur de la brique. On prend une inspiration ici, on se grandit. Et à l'expiration, on fait des petits pas vers l'arrière. Petit, 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 petit pas. On fléchit, vous pouvez fléchir un peu les genoux, venir placer vos mains au sol pour venir en chien tête en bas. Vous prenez votre temps, petit pas, tout en maintenant la brique entre les cuisses. Yes. Et à l'inspiration, on vient en planche. On ancre bien l'index et le pouce dans le sol. On éloigne on crée une espèce d'espace, comme si vous aviez des avocats sous les aisselles. Et à l'expiration, on fléchit les coudes, on ramène les épaules vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Vous n'avez pas besoin de descendre beaucoup. Et à l'inspiration, on retend les bras. Expire, on descend quelques centimètres en fléchissant les coudes et à l'inspire, on tend les bras. Encore courage, expire, inspire, expire, inspire, courage une dernière fois, expire et inspire.
Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. On prend une inspiration sur place. Et doucement à l'expiration, on vient faire des petits pas, petits pas, petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Les pieds donc à la largeur de la brique, forcément. On fléchit les coudes et à l'inspiration, on vient Utkatasana, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on joint les paumes de main l'une contre l'autre. Et à l'expiration, on vient poser le coude droit sur la cuisse gauche en torsion. Inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Vous sentez les cuisses qui travaillent. Si vous le sentez, c'est que vous êtes en train de le faire. Super. On regarde vers le ciel. On dégage le cœur, on respire. Inspire. On tend les genoux, on ramène les mains sur le cœur. Petit break avant de passer à gauche. Expire, on fléchit les genoux. Et on vient placer le coude gauche sur la cuisse droite. À l'inspiration, on redresse le cœur, on ouvre les épaules, on regarde vers le ciel. Toujours respiration Ujjayi. Profondes inspirations, profondes expirations. Super, et l'inspiration, on tend les jambes. On replace les mains sur le cœur, expire, on relâche les bras le long du corps, vous pouvez enlever la brique. Et un instant, restez ici en Tadasana Samasthiti, les bras le long du corps, paume de main ouverte. Sentez l'ancrage dans le sol, revenez au souffle. Revenez à une respiration profonde. Yes, on n'a pas fini. On revient vers l'avant du tapis si ce n'était pas déjà le cas. On prend une grande inspiration, on fait un cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit. Expire, Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspire, on ouvre le cœur, on éloigne les épaules des oreilles, on fléchit les genoux, on place les mains au sol et on revient en chien tête en bas, en marchant ou en sautant, c'est vous qui voyez. On prend ici trois profondes respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel. Ancrez bien toujours index et pouce dans le sol. N'hésitez pas à exagérer cette pression au sol. Et à l'expiration, on ramène le genou droit vers le coude gauche. Et à l'inspiration, on ramène la jambe droite vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Et on continue comme ça, on en fait cinq. Expire, on ramène le genou droit au-dessus du coude gauche. Inspire, jambe vers le ciel. Expire. Inspire, expire, une dernière fois, inspire, expire, on reste ici un petit peu, parce qu'on est bien. Pour une inspiration, on essaie de soulever encore un peu la jambe, et à l'expiration, on va poser le bord extérieur de la jambe droite au sol. Donc soit vous pouvez rester ici, si c'est déjà intense pour vous, la jambe peut être légèrement fléchie, hein. On travaille ici la torsion. Ou alors, si c'est OK pour vous, vous pouvez placer vos avant-bras au sol et ramener les hanches un peu plus vers le sol. Courage. Dernière inspiration ici. Essayez de bien ancrer l'avant-bras droit dans le sol, d'éloigner l'épaule droite du sol. Et à l'expiration, on pourrait relâcher le genou droit et le genou gauche au sol. Venir dans la posture de l'enfant, relâcher les fessiers sur les talons. Relâcher le front au sol, bras vers l'avant ou vers l'arrière. Cinq respirations. Deux. Et trois. Ah non, j'ai dit cinq. Allez, encore deux. Dernière inspiration.
Et une dernière expiration. On allonge les bras vers l'avant si ce n'était pas déjà le cas. Et on revient en chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel à nouveau. À l'expiration, on lance le pied entre les deux mains. Et on vient en lézard. Donc ici, on va rester un petit peu, on va rester 3 respirations. L'idée, ça va être de vraiment bien pousser votre talon gauche vers l'arrière. Vous pouvez ramener le bras droit à l'intérieur de la jambe droite ou garder le bras à l'extérieur, c'est vous qui voyez. Et plus vous allez activer votre jambe arrière, plus vous allez sentir le travail de la jambe gauche. Yes. Et à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, on vient en coureur. Expire, on place les paumes de main l'une contre l'autre et on vient en torsion, on pose le coude gauche sur le genou droit. Vous pouvez soit rester ici, soit ouvrir vos bras, ouvrir vos ailes pour intensifier la torsion. Continuez à bien activer votre jambe arrière. Et si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas à poser le genou gauche au sol. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on place les mains au sol. Inspire, on revient, chien tête en bas. Expire sur place. Alors, je me suis mise de l'autre côté pour avoir la place pour vous montrer. On fait la même chose à gauche. Donc, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou gauche au-dessus du coude droit. On vient en planche. Inspire, jambe vers le ciel. Expire, coude vers le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire, expire. On prend une inspiration ici, on essaie de lever encore un peu plus la jambe. Et à l'expiration, on vient poser le bord extérieur du pied gauche au sol. On essaie de ramener les hanches vers le sol. Et soit vous pouvez rester là, soit venir poser les avant-bras au sol. Poussez avec votre avant-bras gauche dans le sol, éloignez l'épaule du sol et ramenez les hanches vers le sol. Respirez bien. 3, 4, et 5. Et à l'expiration, vous pourrez ramener les deux genoux au sol, venir dans la posture de l'enfant, relâcher le front au sol ou sur une brique, ramener les bras vers l'avant, enfin vers l'arrière, ou les garder vers l'avant, c'est vous qui voyez. 5 respirations donc. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et inspiration, on ramène les bras vers l'avant si ce n'était pas déjà le cas. On vient en posture du chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. On essaie de bien contrôler le mouvement. On garde la jambe droite tendue. Et soit vous pouvez garder vos bras là où ils sont, soit ramener la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, activez bien la jambe arrière. 3 respirations. 1. 2 et 3. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Inspire, on se redresse, on vient en coureur. Expire, on joint les paumes de main l'une contre l'autre. On vient en torsion, coude droit sur cuisse gauche. On dégage le cœur. Et pourquoi pas, on ouvre les bras pour intensifier la torsion. Et n'hésitez pas, si besoin, à poser le genou droit au sol.
dernière inspiration, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, place les mains au sol et on revient en chien tête en bas. Prends une inspiration ici. Et à l'expiration, relâche les genoux au sol. On croise les tibias pour Paschimottanasana, la posture de la pince. On allonge les jambes devant soi, on joint l'avant des pieds. On tire un petit peu la peau des fessiers pour dégager les os des fessiers, les ischions. Grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses. On attrape ce point qu'on peut attraper avec les mains, soit le bord extérieur des pieds, soit les chevilles ou les mollets. Dans tous les cas, essayez de travailler la bascule du bassin ici. Donc, pensez à ramener le ventre vers les cuisses plutôt que la tête. Vers les jambes, activez vos jambes, ancrez les jambes dans le sol. Gardez les chevilles bien fléchies, revenez au souffle. Et à chaque inspiration, grandissez-vous. À chaque expiration, relâchez les tensions du haut du corps. On va prendre une dernière profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On va prendre nos deux briques qu'on va venir placer devant les fessiers à la largeur des hanches. Donc, n'hésitez pas encore un peu à ajuster vos briques, vous verrez. On croise les chevilles l'une sur l'autre. On va ramener le pied droit devant. On fera le pied gauche après. On va venir placer les mains à l'avant des briques de manière à ce que les doigts, que vos mains ne soient pas posées complètement à plat sur les briques, mais que les doigts soient relâchés. En fait, c'est ce qui permet de moins forcer sur les poignets. Donc, c'est une chouette option. Et puis, c'est plus, ça laisse plus de place en fait pour le bassin. Vous allez voir ce qu'on va faire dans un instant. Donc, on se recroqueville ici. On ramène bien les cuisses vers le ventre. Et à la prochaine inspiration, on se soulève, on pousse dans les mains et on reste pour 10, 9, 8, 7, 6. Essayez de soulever les pieds. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à garder les pieds posés au sol. Et peut-être que la prochaine fois, vous pourrez lever les pieds. Et on relâche. on change de côté. On relâche un peu les épaules. On relâche un petit peu le ventre. Donc ouais, je vous le disais pendant l'exercice, si vos pieds ne se soulèvent pas du sol, que vous arrivez juste à lever le bassin et les fessiers, c'est pas grave, pratiquez comme ça, juste en soulevant les fessiers. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, ben peut-être que vous finirez par pouvoir soulever les pieds. Mais pas d'inquiétude. On change le croisement des chevilles, cheville gauche devant, cheville droite derrière. On ancre les mains sur la brique et à la prochaine inspiration, on soulève les fessiers, on soulève les pieds si c'est possible pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magnifique. Et vous pouvez placer vos briques sur le côté. Allongez vos jambes devant vous à la largeur du bassin, fléchir les chevilles. On prend une grande inspiration ici, à l'expiration on vient pivoter vers la droite, on va poser la paume de la main gauche sur le mollet droit ou sur la cuisse en fonction de là où c'est ok pour vous. Vous pouvez aussi attraper le bord extérieur de votre pied droit avec la main gauche et on ramène le bras droit vers l'arrière de la pièce. On prend une grande inspiration ici, on se grandit, on ouvre le cœur, profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, on va ramener le bras gauche parallèle au sol et on va maintenir la torsion sans céder des mains. Donc c'est la force du dos et du ventre qui nous maintiennent dans la torsion. Respirez bien. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche, on passe de l'autre côté, on place la paume de la main droite sur la jambe gauche, donc sur la cuisse, le mollet
ou bord extérieur du pied gauche. Grande inspiration, on ramène le bras gauche vers l'arrière de la pièce, paume de main tournée vers le sol. Inspire, on se grandit, expire, on pivote un peu plus. Toujours les jambes bien actives, bien ancrées dans le sol, cheville active. Et la prochaine inspiration, on lève le bras droit en maintenant la position de la torsion, paume de main vers le sol, les jambes bien ancrées. On se grandit et on pivote grâce à la force du dos et du ventre. Dernière inspiration, grandissez-vous et doucement l'expiration. Vous pourrez relâcher, magnifique. On va passer au nerf de la guerre, à la posture d'Ashtavakrasana. Donc on va reprendre nos briques. Je vous propose de le faire avec des briques parce que je trouve que c'est plus facile pour les poignets, mais aussi pour faire passer le bassin, en fait, pour soulever le bassin. Évidemment, à la maison, vous pouvez faire ça sans briques si vous n'avez pas de problème de poignet, si la posture d'Ashtavakrasana est accessible pour vous. C'est vous qui voyez. On replace les briques comme on vient de le faire tout à l'heure, vers les fessiers à la largeur des épaules. On fléchit la jambe gauche, on ramène la plante du pied gauche vers la fesse droite. Et on va attraper le pied droit avec les deux mains. On se grandit, on prend une inspiration et à l'expiration, on vient pousser le genou droit vers l'arrière tout en redressant le buste. On vient prendre trois profondes respirations ici. Et c'est vraiment comme si vous vouliez pousser votre genou droit vers l'arrière. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on maintient le pied avec la main gauche et on vient placer le bras droit devant la cuisse droite. On place la main droite sur la brique. Donc toujours cette position des doigts sur le petit côté de la brique. Et on va lever la jambe gauche, on va enlacer les chevilles, donc jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on va repenser à l'exercice qu'on vient juste de faire avant, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va pousser dans les mains, on va soulever les fessiers, et en même temps on va serrer les cuisses l'une contre l'autre. Donc vous pouvez déjà commencer ici à serrer vos cuisses l'une contre l'autre, et à essayer de ramener les jambes vers le ciel. À l'inspiration, on se soulève, on pousse et à l'expiration, on fléchit les coudes, on garde le cœur ouvert et on respire profondément. Et un petit sourire. Ah ! Et à l'expiration, vous pouvez relâcher. Yes, on va faire une petite contre-posture, un demi-pont. Pas évident, c'est une posture qui demande beaucoup de force, hein, vous avez pu le remarquer. On s'allonge sur le dos, les pieds à la largeur des hanches, on va crocheter les doigts dans le dos pour soulager les poignets. À l'inspiration, on pousse dans les pieds, on ramène le bassin vers le ciel, on crochète les doigts dans le dos, on ramène les triceps sous le buste et on ramène les hanches vers le ciel et le sternum vers le menton pour trois respirations. 1, 2, et 3. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher les mains, dérouler la colonne au sol, vertèbre par vertèbre. Et on se redresse pour passer à gauche. Donc on reprend nos briques, qu'on replace à la largeur des épaules, vers les fessiers. On fléchit la jambe droite. On attrape la plante du pied droit avec les deux mains. Et on passe le genou, donc on garde la cuisse contre soi, et on pousse le genou vers l'arrière. On se grandit et on reste ici pour trois respirations, continuant de doucement pousser le genou vers l'arrière tout en maintenant la cuisse contre soi. Deux. Dernière inspiration, on se grandit et trois. On garde le pied gauche dans la main droite, on passe le bras gauche devant la cuisse gauche et on vient placer la main gauche sur la brique. On place la main droite sur la brique également.
On crochète les chevilles, donc cette fois-ci cheville droite par-dessus la cheville gauche. Et rappelez-vous l'exercice quand on avait la brique entre les cuisses, c'est le même principe. On serre les jambes l'une contre l'autre, on ramène les pieds vers le ciel, torsion profonde. Et à l'inspiration, on se soulève avec les mains, donc on tend les bras dans un premier temps. Et à l'expiration, on fléchit les coudes en gardant le cœur ouvert. On continue à bien serrer les cuisses l'une contre l'autre, on respire, tout va bien. Yes, yeah. Inspire, se soulève et à l'expiration, relâche les fessiers au sol. Je vous avais dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette posture, elle est très intense. Yes, on termine avec un demi-pont. On lâche le dos au sol, les pieds à la largeur des hanches. Inspire, on lève le bassin vers le ciel en poussant avec les pieds dans le sol, on crochette les doigts et on reste là pour 3 respirations. Deux. Dernière inspiration, ouvrez le cœur, poussez dans le sol avec vos bras. Et doucement, à l'expiration, on relâche, on décrochette les doigts et on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez rester ici un instant, relâchez le dos au sol, laissez le dos se relâcher complètement. Observez le cœur qui bat. Observez le souffle qui se calme petit à petit. On va terminer avec Shavasana, la posture de la relaxation. Et pour cette posture, je vous invite à reprendre vos briques. On va placer de part et d'autre. Vous pouvez vous allonger, n'hésitez pas à rajouter des supports sous vos cuisses, enfin un bolster sous vos cuisses si nécessaire, à vous couvrir. Et en fait, on va utiliser les briques pour venir poser le dos des mains sur les briques pour aider les poignets à se relâcher complètement. Donc, prenez tout votre temps pour vous installer confortablement. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si nécessaire pour faire tous les ajustements nécessaires. Et une fois confortable, vous pouvez fermer les yeux. Abandonnez tout effort pour respirer. Laissez le souffle aller et venir sans effort dans les narines. Laissez le ventre se soulever et s'abaisser au rythme du souffle. Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux. Laissez les épaules, les coudes, les paumes de main devenir lourds. Laissez tout le corps devenir lourd. Aucun effort. Plus rien à accomplir, plus rien à faire. Personne à satisfaire, nulle part où aller. Le simple fait d'être allongé, ici et maintenant, est amplement suffisant. Donc, je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu plus en détail de Ashtavakra, le sage dont la posture porte le nom. Donc, Ashtao en sanskrit, ça signifie 8. Et le nom Ashtavakra signifie les 8 infirmités. Donc, probablement que le sage Ashtavakra
possédait 8 infirmités. Comme souvent, c'est quelqu'un sur qui on a très peu de connaissances. On a simplement retrouvé des textes. Et notamment un dialogue. Comme vous le savez sans doute, les textes anciens de la tradition indienne, je parle de tradition indienne, il y en a beaucoup hein, des traditions en Inde, mais très souvent ces textes sont rédigés sous forme de dialogue. Dans le Tantra, on va trouver des dialogues entre Shiva et Shakti. Dans la Bhagavad Gita, il va s'agir d'un dialogue entre Arjuna et Krishna, donc entre un dieu et un guerrier. Et là, dans l'Ashtavakra Gita, il s'agit d'un dialogue entre le sage Ashtavakra et son élève, qui est un roi. Et ce texte fait partie de la tradition de l'Advaita Vedanta, qui est le fait de penser que nous possédons, qu'il existe un Atman, une âme universelle, qui se trouve en chacun de nous, et que nous ne sommes pas séparés du reste de l'univers, et que la séparation est une illusion de notre mental. Et voici un extrait. Je vous mettrai un extrait plus complet dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Si tu souhaites être libre, sache que tu es l'être, le témoin de tout cela, le cœur de la conscience. Mets ton corps de côté. Assieds-toi avec ta propre conscience. Tu seras immédiatement heureux, pour toujours immobile. Pour toujours libre. Si tu souhaites être libre, sache que tu es l'être, le témoin de tout cela, le cœur de la conscience. Mets ton corps de côté, assieds-toi avec ta propre conscience. Tu seras immédiatement heureux, pour toujours immobile, pour toujours libre. Je vous invite à prendre contact avec votre respiration. À prendre contact avec votre corps, avec vos orteils, vos doigts. Vous pouvez vous étirer. Vous pourrez rouler sur le côté, les yeux fermés. Prendre appui sur votre main. Pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. On termine avec le son Om. Vous pouvez soit m'accompagner, soit simplement écouter. Joindre les paumes de main sur le cœur. On va fermer les yeux à nouveau. On prend une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but.
Merci à vous, merci pour votre présence. J'espère que la posture d'Ashtavakrasana n'a plus de secret pour vous maintenant. Et surtout, si c'est pas arrivé aujourd'hui, c'est pas grave. Peut-être que ça arrivera la prochaine fois, peut-être que ça n'arrivera jamais. Et c'est pas grave, c'est pas ça qui vous donnera l'illumination. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, de la joie sur le chemin. J'espère que c'était le cas. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi me soutenir en m'aidant sur ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà de tout cœur. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve vendredi prochain. Namasté.